spécial d'internet. J'espère que vous avez tous magnifiquement bien sur le encore plus de Nezo, Sucisox et puis Dark Show. Comment allez-vous, les amis? Bien, toi? Ça va, tout va très bien, les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Royal Fight, les amis, de magnifique Let's Play. Aujourd'hui, on est à l'épisode numéro 23. Enfin, je crois, je suis pas certain, les amis. Aujourd'hui, les amis, on va faire un épisode dans la positivité, dans le sourire, et on va garder le smile. Les amis, on est en live aujourd'hui, et puis on va faire un chant de Kanasu, parce que, bon, on avait un chant de Kanasu avant qui était automatique, mais on va pas se cacher, c'était de la grosse merde. Sauf je me suis dit, ouais, pourquoi pas faire un chant de Kanasu qui est quand même un petit peu plus gros qu'il était. Ça va nous permettre d'avoir un peu d'argent, c'est comme ça, si on a besoin d'acheter... d'acheter de l'opsy ou des petits trucs comme ça, au moins on aura un petit peu d'argent, un petit peu de monnaie de poche pour pouvoir le faire, donc voilà. En plus j'ai dit je vais en profiter, il y a plein d'esclaves avec nous, donc on va pouvoir miner pendant que nous on parle et on fait de la merde comme d'habitude. Bon je vais sur le live, j'y vais le live trop, à plus ma poule, on se reparle plus tard, merci d'être venu, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire, coucou. T'es le vrai. Coucou. T'es le vrai. Gabi. Le fini. On va voir s'il va nous répondre, les amis. Mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'il va répondre? Moment intensif. Musique stressante. Ta-da-da-da. 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 Pensez-vous qu'il va nous répondre si tu savais que l'on avait le droit de TP kill? Non. Je sais pas. Je sais pas, je suis désolé mon gamin, j'aimerais bien t'aider. T'es le vrai qui joue à E-Factions. Toi aussi. Tu joues à E-Factions. On va voir, c'est peut-être le vrai Gabi, les amis. Peut-être que c'est le vrai, le seul, l'unique, la bonne filée. Ta-da-da-da. Même Exterminator, il a compris qu'il fallait faire une musique... Ta-da-da-da. De suspense, whatever, je sais pas comment vous dites ça. Anyway, gens d'internet, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, parce que à l'heure que moi je fais cette vidéo-là, on est vendredi soir, les amis. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Racontez-moi votre semaine, les amis. Ça me ferait plaisir. Mais oui, oui, mais là, j'arrive pas à me rejoindre la faction. Ah, salut. C'est moi, ton ami. Ouais, le serveur est off. Désolé. Voilà. Un grand abonné fidèle, je suis content. Si tu veux, on aurait pu prendre un screen. Justement, Snapchat, il travaillait dans la porno, alors il snap des chats. Oh! On se calme! J'ai pas dit que je travaillais dans la porno, les amis. J'ai dit que je vendais des films porno. C'est pas la même chose, les amis. C'est deux mondes différents, là. Faut pas inverser les choses, voyons. Parce que si vous inversez les choses, là, moi, là, je vais passer pour un gros con pendant ma vidéo, là. Comprenez, là? C'est pas gentil. Tu rec, mec? Oui. Et j'ai bu. T'as-tu Facebook? Ouais, c'est l'Exodia Killer, ça va. Et puis non, en fait, je vendais pas vraiment des films porno pour ceux qui écoutent ma vidéo. Je vendais pas vraiment des films porno, en fait. Ben, si, j'en vendais, mais d'un autre angle, ok? Je vous explique. En gros, je travaillais dans un club vidéo quand j'étais petit. Et puis, j'avais 14 ans environ. Je pense que j'ai commencé à travailler à l'âge de 13. J'ai commencé à travailler à l'âge de 13 ans, 14 ans dans un club vidéo. Et c'était pas légal. Je devais avoir 18 ans déjà de base, donc... Je sais pas pourquoi je travaillais dans ce club vidéo là, mais ça me faisait un peu d'argent, c'était cool. Moi j'avais de l'argent, puis en plus j'avais des films porno gratis, tu sais, you know what I mean, like. Non mais en vrai, j'avais même pas le droit d'acheter ou de whatever, j'étais juste là, puis en fond je travaillais, puis il y a des gens qui venaient, puis en achetaient là. C'est comme dans un club vidéo, ce que vous pouvez louer des cassettes et tout, mais il y avait une section pour les adultes dans le fond, puis il y avait une télévision qui jouait avec des films porno, puis il y avait des films que tu pouvais aller sur les étagères et puis les acheter. Et puis voilà. Donc c'est ça. C'est ce que je faisais. Moi je vendais les films. Puis là les gens passaient à la caisse. Là moi je les faisais payer comme des gens normaux. Je les regardais pas croche. Mais si le gars il prenait une affaire genre anal special anal, ben là je le regardais, je disais tabarnak, ça va passer dans le trou en arrière à soir. Non je disais pas ça. Mais bon ça aurait été drôle. J'aurais pu si j'arrêtais un peu plus vieux, je l'aurais sûrement fait. Mais là j'étais trop jeune. J'avais quoi, 13-14 ans. Je vais pas trop écrire dans le chat avec 11, je révise. Toi réviser, tabarnak, en plus un vendredi. T'es sérieux, cool, j'ai un don et t'es plutôt... Rec-le s'il te plaît. Mon pote, je vais pas être méchant, je vais rec après. Exodia, elle va même pas réviser dans le fond, elle va juste faire de la merde comme d'habitude. Anyway, tout ça pour vous dire les amis que aujourd'hui, je suis content que le week-end arrive, parce que ce week-end les amis... On va jouer à Minecraft, on va faire plein de vidéos et tout. En plus, c'est bientôt le mois de février, alors que vous écoutez cette vidéo-là, on est sûrement le genre le 2 ou le 3 février, quelque chose dans ce genre-là.
Et puis les amis, c'est dans 10 jours, c'est mon anniversaire. Et dans 10 jours, les amis, je vais avoir 19 ans, toutes mes dents, et puis je vais pouvoir aller enfin. Je peux déjà tout faire ce que je veux. Donc, il n'y a rien qui va changer, je vais juste avoir à être plus vieux. Donc voilà! Donc, attendez un instant. On va prendre des seaux d'eau. Il n'y a toujours pas de son. Toujours pas trouvé comment régler le bloc de son. Si vous savez, les amis, dans les commentaires de la vidéo, dites-le moi. Je l'ai sur moi, tiens. It's been a long night here and a long night there. Mais qui a volé? Ok, personne a volé mon Fialit. Ça, c'est gentil, au moins, personne ne l'a volé. Je pensais qu'un de vous. En autres... fait, il n'y a plus besoin. Je pensais qu'un de vous me l'aurait volé, mais je suis encore étonné, personne ne l'a fait. Je suis plutôt fier. Que même. Je le fasse comme ça, tu seras plus étonné. Ta gueule, tu vas chercher du fer à la place. On a besoin des sauts pour faire. Va chercher des sauts. Bah, je prends une journée à la sky. Moi, il me faut un crotte là, j'ai pas assez de cette eau. It's been a long night. Il vaut combien un grade? Mon bébé. Eh hey, gros, j'ai l'air de savoir. Oh non, ça se rend même pas jusqu'à là-bas! Tabarnak! Tu vas-tu juste commencer. Tu vas-tu juste commencer à perdre tes cheveux? Ben ouais, j'ai déjà commencé à perdre mes cheveux, man. Tu savais pas? Non, sérieux. Ouais, il y a une couple d'années, je perdais tous mes cheveux. Oh shit, ma souris, elle a bugué. Donc ouais, il y a une couple d'années, je perdais tous mes cheveux, genre, je sais pas pourquoi. J'ai commencé déjà à perdre mes cheveux, genre, quand on n'est pas en santé, on perd ses cheveux. Vous saviez ou pas? Moi, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est un mythe, mais non, je pense que c'est vrai. Genre, quand on devient vieux, on perd nos cheveux parce qu'on est plus trop en santé comme quand on était petit, genre. Ça se peut-tu? Ça se peut... Non, je dis de la merde, je pense, comme d'habitude. Vous me direz, ça change pas. J'ai 4 fers. Non, rien d'autre à la base. Ok, merci, Nezo. Ça sert toujours à rien. Comme d'habitude, ça change pas, quoi. C'est bien long night. Ouais, mon beau. Tu peux m'inviter si t'as de la place? Y'a pas de place, c'est fou, désolé. Non, je rigole, je t'invite. Attends, c'est quoi ton pseudo? Saucisson. Tu t'en mets en même appelé Saucisson X sur un launcher, mec. Je pensais que ta team de Saucisson c'était terminé. Ouais, mais non, mais c'est juste qu'en fait, j'avais. En fait, j'avais pensé que j'avais dit un con, donc. Ah, ok. It's been a long night here. And a long night there. J'ai un peu plus de fer. Mec, tu sais quoi? Oh. Je peux je vais faire du fer. Est-ce que t'as un four? T'as des fours, c'est bien. T'as 19 fers dans les fours, t'es à moitié aveugle. Hein. Bah, je suis à moitié aveugle, comme tu viens de dire, j'ai pas mes lunettes, so why? T'as un problème contre les gens qui sont aveugles, Chris de Fif? Ça, je pensais. Tu dis plus rien, hein? Donc, c'est juste que t'es tes cellules de cheveux meurent à cause de la vieillesse. Voilà. 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 Il y a tout. On a un professeur de cheveux ici dans la salle, dans l'audience, les amis. Donc, merci, monsieur professeur cheveux. Merci, QC Turtle, ça fait plaisir. Ma petite tortue. Tu vas entendre ta la machine en plus, toi. It's been a long night here. Ah, écoute, j'étais dans ta fac lors de la V1, vous m'aviez recruté. Est-ce que je peux être recruté? Comme j'ai dit dans mon dernier épisode, les amis, pour l'instant, on va pas faire de recrutement. On va recruter certaines gens qu'on connaît, mais on va faire un épisode spécial juste pour les recrutements. Donc, d'environ encore... Peut-être les prochains épisodes, ouais. Prochain épisode, on va recruter plein d'abonnés qui sont sur mes lives. Donc, ça va pas se passer dans mes vidéos, ça va plus se passer sur mes streams. Donc, si vous venez durant mes streams et vous demandez d'être recruté, oui, vous allez avoir une chance d'être recruté. Est-ce que vous allez avoir une chance d'être téléporté à la base que je suis en train de faire? Non, parce que c'est chacun pour soi. Mais au moins, vous allez dans ma faction pour faire des combats ensemble. Et puis, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ta gueule, Icons. Ok, c'est quoi le screen qu'elle a mis, Nezo? Ok, Nezo a crash. Connexion de merde de toute façon, donc ça prend pas. Attends, je vais aller voir si tu veux. Ouais, ça serait gentil. Oh, j'ai un mot cassé, c'est chiant. Qu'est-ce que t'as fait, genre, tu t'es fou crossé? Non, elle a pris un spin dans son PC, tout ça, après elle a marqué ta gueule. Oh, c'est pas écrit. Exodia, c'est pas écrit. Bon, ça, ça m'étonne pas vraiment, mec, mais. Mais en gros, son screen, c'est quoi? C'est un truc marqué en jaune, mais j'arrive même pas à lire. Ok. Je sais juste qu'il a marqué ta gueule dessus. Elle dit que c'est ton pénis. Ok. Je pense qu'elle essaie de t'insulter, moi je l'aurais pas accepté. It's been a long night. J'avoue, mec. Ben, tu peux la frapper avec une pelle.
Vu que c'est pas tes mains qui la frappent, c'est correct, genre, tu comprends. T'imagines, ce serait vraiment légal à cause que c'est pas tes mains. Oh putain, ça serait trop marrant, mec. Ça ferait longtemps que j'aurais décalissé Audrey. LOL! Il manque des torches, en fait. Qu'est-ce que ça prend à faire des torches? Des bâtonnets, là? Ouais, ça prend des bâtonnets, plus du charbon. Tout ce qu'il y a, là. Parfait. It's been a long night here, and a long night there. J'ai cette chanson-là dans... Chance... What? Cette chanson-là dans la tête, là. Attends. Faut aussi faire quelque chose d'autre, des demi-dents. It's been a long night here, and a long night there. Voilà. Les amis, faites attention à Exodia. N'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne Twitch. Elle fait des Là, c'est menaces de méchant. mort et tout. Ouais, j'avoue. Elle fait des menaces de mort et tout. Elle dessine des pénis partout et tout. C'est pas très Charlie tout ça, les amis. Je vous invite à pas y aller. Oh shit, ça c'était un peu. Elle est méchante, en plus on envoie des screen icons avec des ta gueule alors. J'avoue. Elle mérite de suffoquer dans un mur. Shit, j'ai mis ça au-dessus. Non! Il y a un creeper qui vient de faire péter ma truc. Tout ce que le beau travail que j'avais fait, le creeper l'a fait, il a dit genre nique ta mère, t'as travaillé trop fort. Encore. Ça fait deux fois que ça m'arrive en plus. Là, moi, je commence à être écœuré en tabarnak. Là, il y a Nizo, il va être mort. Est-ce que tu peux faire un mur ici, mon ami, pour pas que les creepers viennent nous péter la gueule? C'est bon, je l'ai fait. Je suis trop fort, en fait. It's been a long night here. And a long night there. Ok, comme ça. Hop là, je me suis trompé encore. Ok, là ensuite on va mettre une torche genre comme ça. Comme ça, là, on va mettre une torche là. Comme ça, là on va mettre une torche là. Comme ça, puis on va mettre une torche juste là. Comme ça. Voilà. Tadam! Ah, dis pas un pénis, j'écris bien. Wow. Je veux dire, Killers, quand on est dans ces chaleurs, genre, on essaie de parler sur les streams des gens, puis inciter à la fécondation, ou whatever, comment t'appelles Non, ça. exterminator, c'est pas légal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'envoie, c'est légal de tuer des animaux quand tu es vétérinaire car ça serait mon rêve. Wow, c'est bien méchant, ça. C'est bien cruel, man. T'es bien sadique, esti. Ça, c'est crissement méchant, par exemple, man. Hey, je suis pas capable de fucking faire correctement pour que ça aille vite, genre. Ok, c'est bon, attends, je pense que j'ai trouvé. It's been a long night here and a long night there. Voilà. Ah, là, ça pousse. Regardez la canne à sucre, ça pousse. Bon, Nezo va continuer ça pendant que moi, je vous dis merci d'avoir écouté l'épisode, les amis. C'est l'épisode le plus bien, c'est un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. C'était à cause de la Pikachu de l'Internet. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'était avec 11. Bonne fin de journée.